En sport, la saison sportive 2017-2018 de la Ligue nationale de football vient d'être lancée ce week-end dans le Mandoul. C'est le gouverneur de la région, Issa Djidey, qui a procédé au lancement officiel par un match qui a opposé Assa Bey du Mandoul à Ascoton Tchad de Mundu. Match qui s'est achevé sur un score de parité. Un but partout. Quatre nous battaient au fil. Les Abeilles du Mandoul face à l'association sportive de la Coton Tchad de Mundu. Le coup d'envoi de ce premier match de la Ligue nationale de football dans les provinces a été donné par le gouverneur de la région du Mandoul, Issa Djidey. Les joueurs du Mandoul, qui évoluent devant leur public, entament la partie sans complexe. Mais ils se heurtent à l'organisation tactique et surtout à l'expérience des cotonculteurs du Logone occidental qui s'illustrent par de bonnes combinaisons. Le manque de réalisme des attaquants locaux amène les deux équipes à finir la première partie sur le score vierge 0 but partout. Au retour de la pause, les visiteurs sortent de leur réserve. Ils jouent détendus et sèment le danger à plusieurs reprises dans les camps des Abeilles du Mandoul. Mais ceux-ci se font surprendre par les joueurs du Mandoul contre le cours du match. À la 67e minute, le bussien Hassan galvanise davantage les locaux qui se présentent sur toutes les balles. Malheureusement, les visiteurs parviennent à égaliser sur une jolie lobe. Un but partout. Malgré la détermination et la fougue de Mandoulais, les scores restent inchangés jusqu'au coup de sifflet final. Le gouverneur du Mandoul exhorte les joueurs au respect du fair play durant tout le championnat. Le football sport roi est un facteur d'union et de cohésion sociale. C'est pourquoi son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a inscrit en bonne place dans son programme politique le sport pour la jeunesse. Avec ce résultat, les deux formations engrangent chacune leur tout premier point de ce championnat de la Ligue nationale 2017-2018.